très heureux parce que on a commencé la saison avec deux victoires et deux défaites. Et si tu me fais la demande là-bas, c'est, on pense qu'on va gagner 30 matchs tout de suite ici en France. Je te dis que tu es fou. Mais l'équipe il a travaillé jour par jour, on a laissé jamais de pousser et aujourd'hui c'est le moment de profiter. C'est un cadeau pour les joueurs parce qu'on a travaillé vraiment dur pendant l'année. Et l'année prochaine, on espère de faire un petit peu meilleur Champions League parce que ce qu'on a fait de cette saison, c'est difficile de faire mieux. Ça m'a rappelé un peu le match qu'on a fait en finale de la Coupe de France, toujours contre Chaumont, qui a fait une très très belle saison et qui est un adversaire redoutable depuis déjà quelques années en France. Donc, c'est la finale qu'on attendait tous et on est très très content d'avoir gagné ce soir. C'est vrai que ça avait l'air facile, mais c'était pas facile du tout parce qu'on sait bien de quoi ils sont capables de faire. Donc la différence est faite au service ce soir. Je pense qu'on a très très bien servi. Par contre, eux, ça a été un peu moins par rapport au match aller à Reims. C'est notre 32e succès de suite. Et quand tu vois, tout le monde a participé à ces 32 victoires. Il faut savoir que voilà, il y a eu beaucoup de turnover, je crois, le terme anglais. Il y a eu beaucoup de changements, qui nous a permis aussi de faire reposer certains cadres. À certains moments, notamment match de Cannes ou de Toulouse, tu vois, à la fin du championnat, on était assuré d'avoir la première place. Et on a prouvé aussi qu'on était une équipe complète et ça c'est vraiment très positif. On remporte le championnat, c'est ce que tout le monde voulait. Toute l'équipe, le staff et même les supporters, du coup c'est vraiment super ce qui se passe. Et en plus ça marque une belle fin de carrière pour Hubert et on voulait tous gagner le championnat pour lui et aussi pour nous. Avant on pouvait pas rêver mieux. Finir à Tours en gagnant de cette manière-là, c'est vraiment. On pouvait même pas l'espérer. Donc voilà, c'est vraiment une fin heureuse, une fin de saison en apothéose. Et la récompense, je pense, de beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup d'investissement de tout le monde. Et autant que j'ai pas fait de muscu, là ça se sent.